Et voilà, Eric. Ça va mieux maintenant? Oh, qu'est-ce que c'était? Oh, c'est Max, le Monster Truck. Il ne devrait pas jouer ici. Les chantiers sont dangereux. Hein? Regarde le désordre qu'il provoque. Oh non, Max est en panne de carburant. Il faut le sortir avant que le béton ne sèche. Vite les mécaniciens, allez chercher le carburant de secours. Oh mon Dieu, ce béton sera dur dans moins d'une minute. Ah! Mais comment allons-nous donner le carburant de secours à Max? Oh, Eric a fait un pont. Wow. Le béton est presque dur. Allez, Max, allez. On dirait que Max a appris la leçon. Merci, Max. Une autre panique derrière nous. À la prochaine fois. Au revoir. Bonjour à tous. On se prépare pour la soirée cinéma, ici au garage. Comment ça se présente, grand-mère? L'écran semble parfait, Geki. bonjour, Bleu. J'espère que tu as mon bon profil. Maintenant, il faut juste que la famille Camion amène la machine à pop-corn et on est prêt. Bébé Camion, oh, qu'est-ce qui ne va pas, Chou? Maman Camion est en danger. Allez, allez, Tilly la dépanneuse. Bébé Camion, ouvre la marche. Tournevis qui tourne. Maman Camion pourrait tomber dans la rivière. Que ce soit pour les amis ou la famille, nous, les geckos, on aide avec soin et rapidité. Tout est prêt, grand-mère. Ça ne marche pas. Si seulement sa remorque était plus légère. Voilà! On peut alléger le poids de Maman Camion si on fait sauter ce maïs. Oh. Pour empêcher Maman Camion de tomber, je dois faire éclater tout ce maïs. Dépêche-toi, Geki! Hein? Ce pop-corn doit éclater plus vite. Alors augmentons la puissance. Oh, c'est coincé. Oh, je sais. Préparez-vous à une tempête de pop-corn. Ah, oui. Allez, allez, Maman Camion. Grand-mère te tient, chérie. Le doux goût du succès. Quel film on regarde, Geki? L'attaque du chariot élévateur géant? Non, c'est une première spéciale. Le film de Bleu sur le sauvetage du courageux bébé Camion. Oh,
J'ai entendu dire que le casting était fabuleux. Ah, voilà maman camion. Tes indicateurs vont bien fonctionner maintenant. Heureusement que j'ai toujours des ampoules de rechange. Ah, c'est Molly qui joue avec son jouet favori. Et avec bébé camion aussi. Assure-toi de le partager. Pauvre bébé camion, tu as un bobo, mais tu vas t'en sortir, je te le promets. Molly? Jetons un coup d'œil sur toi maintenant, Molly. Tu vas bien? Hein? Oh non! Molly a une fuite d'huile. Je n'ai pas les outils pour pouvoir la réparer ici. On doit te ramener au garage. Rapidement! Je vais avoir besoin de ton aide, bébé camion. Peux-tu garder la route dégagée afin que je puisse vite amener Molly au garage? Tout le monde, allons-y rapidement. Il est temps d'aider un véhicule dans le besoin. Oh non! Eric et Dylan bloquent la route. Merci Eric et Dylan. Bien joué, bébé camion. Prenez vos outils et réparons. Réparons et chantons cette comptine. T'inquiète pas Molly, nous sommes là pour toi. Et tu seras comme neuf quand on te réparera. Grâce à notre équipe et aux outils, on répare chaque partie de chaque ami. Réparons, soudons, vérifions et puis recollons toutes les parties. Cette réparation t'a rendu plus forte qu'avant. Tu ne perdras plus d'huile dorénavant. Oh, on n'aurait pas pu la réparer sans ton aide, bébé camion. Oh, et regarde, Bleu a réparé le jouet camion. Bien joué, Bleu. Et bravo pour le partage, vous deux. Je suis si fière de vous. Au revoir, tout le monde. D'où vient tout ce désordre? Monsieur Weasel, vous allez bien? J'ai fait de Vicky le camion de glace le plus rapide au monde. Mais elle s'est envolée avant que je puisse avoir une glace. Nous devons arrêter Vicky avant qu'elle ne fasse encore plus de dégâts. Ça y est, elle arrive. Tu es prêt, Bleu? Bleu, vite, appuie sur le bouton éteindre. Ouf! Bien joué, Bleu! Vous avez encore mon camion à glace! Ah!
reste des fusées. Venez les mécaniciens, allons voir s'il va bien. À très bientôt. Au revoir. Bonjour tout le monde. Nous allons rendre un service à Fiona, le camion de pompiers. La journée a été longue. Excusez-moi. Bon, c'est quoi la suite, les mécaniciens? Je crois que c'est à toi, Bleu. Bon, où en étions-nous, les mécanos? Tout est fait. Nom d'un petit tournevis. Ça a été rapide. Bonjour tout le monde. Bienvenue au garage de Gecko. C'est une journée calme aujourd'hui. On fait un peu de nettoyage de printemps. Hein? C'était quoi ce bruit? Bobby, le bus, tu n'as pas l'air bien du tout. Viens, on va t'examiner. Oh là là, Bobby ne va pas bien du tout. Voyons voir si on peut trouver ce qui ne va pas. Peut-être que ton radiateur a besoin d'eau. Allez, allez les mécaniciens! Aïe! Non! Ce n'est pas ça! Attends une minute. Aha! Le pauvre Bobby a une fuite d'huile. L'huile permet au moteur de fonctionner en douceur. On peut réparer ça. On a trouvé la source de ton problème. Il y a une fuite d'huile dans ton tuyau. Vert va boucher le trou en soudant avec des étincelles brillantes. Un plâtre gardera ton bobo à l'abri. Yeah. Hurrah! Bien joué, Bleu. Bien joué, Vert. Tu te sens mieux, Bobby? Un autre client heureux. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine au garage de Gecko. Au revoir! Bonjour à tous. Nous sommes sur le chantier avec notre ami Dandy. Où? Il enseigne à Bébé Camion et à Rouge comment être des pompiers. Oh ouais, je suis super excité aussi. Et maintenant, les recrues, la prochaine leçon est... lutter contre les incendies. Regardez, Eric a construit un endroit sûr pour allumer un feu d'entraînement pour Dandy. Pour éteindre un feu, nous versons de l'eau sur les flammes.
Il est temps de prendre vos tuyaux d'eau. La sécurité avant tout, Rouge. Le casque bien ajusté. Ah, voilà. Hop, je t'aime, mon pote. C'est ce que j'appelle lutter contre un incendie. Waouh, excellent travail, vous deux. Fiona, fais attention. Dandy a sauvé Fiona. Ne paniquez pas. Dandy est là pour faire face au danger. Mais comment vas-tu redescendre? La prochaine leçon est comment utiliser l'échelle de Fiona pour sauver quelqu'un coincé en hauteur. Comme moi. Oh non, l'échelle de Fiona ne l'atteindra pas. Tournevis rotatif, Dandy pourrait tomber. Nous avons besoin d'une échelle plus longue, vite. Je sais, pour atteindre Dandy, joignons les échelles de Fiona et de bébé camion ensemble. Prenez vos outils et dites cette rime. Au garage de Gecko, c'est la réparation qui prime. Vite, dénouons ces vis d'abord. Il n'y a pas une minute à perdre, d'accord? Attachez bien fort ces échelles pour gagner en hauteur de plus belle. Oh! La dernière solution pour atteindre notre ami, rajoutez le seau d'Eric comme ceci. Ah! Dandy, grimpe dans le seau. Dandy plonge. Merci, brave recrue. Ouf, tout le monde est en sécurité. Merci, vieil ami. Tu nous as beaucoup appris aujourd'hui. Et vous m'avez tous appris le vrai sens du travail d'équipe. Au revoir, tout le monde. Bonjour à tous. Monsieur Weasel nous a mis au défi d'une partie de football. Et j'ai avec moi deux super camions dans mon équipe. Ce trophée est à moi. Les perdants de grenouilles ne peuvent rivaliser avec les gagnants de Weasel. Rappelle-toi, Max, tu restes dans les buts. Parce que tu bloques absolument tout. Démarrez vos moteurs. Enfin, si vous en avez un. Bonne chance, équipe. Amusez-vous bien. Et c'est parti! Bébé camion triple, enfin avec le ballon! Il n'y a aucun moyen de passer Max le monstrueux gardien! Oh, les roues de Weasel passent à l'attaque! Superbe plaquage! Oh non! Bébé camion a pneu crevé! Oh, pauvre bébé! Quel manque de chance! Weasel pour Sly qui tombe sur Tilly! À présent, le pot d'échappement de Tilly est tombé! Cette partie est folle! Passe-la-moi! Passe-la-moi, Sly! Tu ne feras que rater! Oh! Non! C'était de ta faute, Sly! Oh, bon sang! Vous avez tous deux besoin d'une solution rapide! Oh, c'est la mi-temps! Prenez vos outils et réparons! Réparons et chantons cette comptine! Bébé est blessée, mais courageuse quand même! Avec son pneu tout neuf, elle revient dans le game. Le pot de Tilly est tombé sous le choc. Rattachons-le, il sera fort comme un roc. On s'est reposé un peu, on y retourne et on fait de son mieux. Arrêtez de traîner, vous deux. Nous devons gagner, quoi qu'il puisse en coûter. L'équipe Gecko à l'attaque. Préparée, prête à partir.
Oh. Wow, Tilly est plus rapide que jamais avec son nouveau pot d'échappement. Attention! Faute! Un défi de corps par Weasel. Carton rouge! Jamais! Il reste encore quelques secondes. On peut gagner avec ce coup franc. Allez, allez l'équipe! Vite! Le garage de Gecko! Non, non, non! C'est pas juste! D'habitude, tricher, ça marche pour moi. Bien joué, les équipes! Le fair play a gagné aujourd'hui. Au revoir, tout le monde! Bonjour à tous! Nous avons fait un pique-nique et il est l'heure de rentrer à la maison. Les mécanos, ne laissez rien derrière vous! Un, deux, trois, quatre mécaniciens! Bleu? Bleu! Où es-tu? Nous avons perdu Bleu! Vert, viens avec moi! Nous devons le retrouver! Porte du garage, rouvrez-vous! Il est temps de retrouver notre petit ami! Pour me faire descendre. Écrou et boulon, plus de cordes de remorquage. Oh, pauvre Bleu. Tu as subi quelques coups. Nous pouvons utiliser ta fusée pour sortir d'ici. Rien qu'un ajustement ne puisse réparer. Et bien vite, on va s'en tirer. On resserre bien. Et si on te ramenait au garage? Bravo à tous! Nous avons retrouvé Bleu! Rendons-le comme neuf et il sera heureux! Prenez vos outils et dites cette rime! Au garage de Gecko, c'est la réparation qui prime! Contrairement à moi, tes jambes sont rondes pour t'aider à rouler de par le monde! Réparons ses bras! Le gauche, le droit, en resserrant les articulations bien comme ça. Et enfin, de la peinture toute fraîche, pour sortir jouer dès qu'elle sera sèche. Oh, bébé Bleu, à présent, dors bien. On est heureux que tu sois rentré, enfin. Au revoir, tout le monde. Oh, salut tout le monde. Vicky, le camion à glace est en réparation. On est en train de faire quelques finitions. Merci, Jaune. Est-ce que je pourrais avoir un tournevis? Attention, les mécaniciens. Ce tuyau est plein d'air glacé. C'est comme ça que Vicky congèle sa glace. Jaune, ne touche pas ce bouton! Mmm.
Merci les mécaniciens, vous m'avez sauvé. Maintenant, finissons de réparer Vicky. Merci Vicky. Au revoir tout le monde. Joyeux Halloween! Tout va bien, les mécaniciens. C'est juste moi, Gecko. Hein? Attendez une minute. C'est quoi ce bruit? On l'entend encore. Oh là là, j'espère que ce n'est pas un fantôme effrayant d'Halloween. Ouf. Peu importe ce que c'était, je crois que c'est parti. Ah! Ah! Oh! Oh non, les mécaniciens! Je pense que le garage est peut-être hanté! Bleu. Attendez une minute. Bleu, avance un peu. Le bruit ne se produit que lorsque tu bouges. Pas besoin de paniquer, de trembler et de crier. C'est seulement la roue de Bleu qui grince. Une petite goutte d'huile va résoudre ça. Et on pourra dire « Adieu, fantôme !» Ouf, la panique est terminée. Maintenant, on peut aller chercher des bonbons. Joyeux Halloween à vous tous! Au revoir! Maintenant, Max! Ah, mais c'est quoi tout ce bruit? Super atterrissage, Max! Ces nouveaux ressorts de suspension t'ont aidé à atterrir en douceur. Je pense qu'on n'aura pas besoin de mon plan de secours, hein, Rouge? Je dois juste faire quelques derniers ajustements. Tu veux être comme ton frère, hein, Molly? Reste bien ici. Je vais donner à tes roues des ressorts de suspension bien meilleurs que ceux de Gecko. Tu vas voir. Presque fini, Max. Qu'est-ce que c'est? C'est plus rebondissant que je ne le pensais. Oh non! Molly est trop rebondissante! Il faut l'arrêter! Vite, Rouge! Le plan de secours! Prêt, Rouge? Maintenant, Rouge! Actionne le plan de secours! Tout va très bien, Molly. Je sais que tu voulais juste être comme ton grand frère. On va réparer ces ressorts, d'accord? Vas-y, Molly! Gecko pense qu'il peut faire de meilleurs ressorts que moi. Grâce à ces nouveaux ressorts, tu pourras bien atterrir. Allez, au revoir, Molly. Tu peux aller jouer.